Il ne s'agit pas de se mettre à parler une seule langue, que ce soit l'espéranto ou le globish, mais il s'agit d'apprendre à parler la langue de l'autre. Vous savez bien que quand nous sommes dans un pays étranger et que nous avons besoin d'un interprète, nous ne sommes absolument pas libres et nous ne pouvons pas rencontrer. Mais plus on connaît la langue de l'autre, plus on peut rencontrer, plus on est heureux. Et on se rend compte, quand on la maîtrise assez, qu'on apprécie mieux sa propre langue. Et puis qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses qui se disent mieux dans telle langue que dans telle autre que dans la mienne. Et puis on se rend compte que dans la langue de l'autre, il y a des accents différents et il y a des dialectes différents qu'on ne soupçonnait pas avant de l'avoir commencé. Il nous faut apprendre à être des polyglottes de la foi chrétienne.